La première Speed, je l'ai achetée en octobre 2018. C'est vrai que ça m'a tapé vraiment à l'œil, cette hauteur de travail de 13 mètres. Sa portée de 16 mètres et sa capacité de 500 kg ont été vraiment un argument. J'ai vu que je pouvais l'emmener avec mes propres camions, des utilitaires vraiment standards. Le renfort de ces deux grues, en fait, ça me permet de l'efficacité sur les chantiers et du coup, on arrive à quand même aller plus vite sur les chantiers. On a un gain de productivité qui est assez important. Moi, ça me semblait assez pertinent d'avoir deux machines. Vu notre effectif, on est à 6 salariés. Au-delà des capacités techniques, ce qu'elle m'a permis de me faire, c'est de me projeter aussi dans l'avenir avec mon entreprise. Maintenant, je peux me projeter sur des dizaines d'années, voire sur toute ma carrière. Il y a un chantier assez emblématique. C'était un chantier qui était difficile d'accès. Elle est tellement maniable qu'on a réussi à facilement l'enlever, la mettre sur un autre chantier. Pendant ce temps-là, on travaillait sur deux chantiers plus ou moins en même temps avec une seule grue. Et après, on a réussi à la remettre. Alors, c'est vrai que le fait de devoir souvent la déplacer et la ramener sur un chantier, je me suis rendu compte qu'il y avait la place quand même pour nous, pour deux machines. Et on va dire que ça se vérifie puisque pour l'instant, elles ne sont jamais revenues toutes les deux à l'atelier ou même une seule. Elles sont toujours sur un chantier puis l'autre et on est toujours à les utiliser, quoi. Cette idée de grue complètement autonome et ses capacités, ça va nous permettre de nous projeter dans le futur.